On a raté 5 buts sur le poteau. C'est incroyable, hein, sur le poteau. 5 buts, si on avait marqué les 5 buts, le tournoi du match serait autrement. Mais c'est des choses qui arrivent. Les joueurs se sont donnés à fond. En deuxième mi-temps, lorsque l'équipe adverse a marqué le troisième but, ils se sont retirés derrière, ils ont fermé les espaces, ils ont joué sur les contres. Mais nous, on voulait à tout prix égaliser et marquer le troisième but. Malheureusement, ça n'a pas marché. Même avec la rentrée de Slimani, encore, c'est le poteau qui sauve l'équipe du Cap-Vert. Mais ça ne veut rien dire. Nous avons perdu, nous avons beaucoup appris du match d'aujourd'hui. On a perdu 3-0, c'est des choses qui arrivent. 3-2, c'est des choses qui arrivent. C'est des matchs amicaux. L'équipe du Cap-Vert, ils ont gagné, ils ont perdu 4-0 contre le Burkina Faso. C'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, ils ont eu la chance de gagner contre l'équipe d'Algérie. Mais je pense que nous avons montré de réelles possibilités, surtout au milieu et en attaque. On a vu, dans les 25 minutes, en deuxième mi-temps, on a vu comment l'équipe se jouait à une touche de balle. Et à 4 passes, on pouvait marquer un but. Malheureusement, le retrait, c'est Boubounjah qui met le ballon au-dessus de la barre. Vraiment, c'était une occasion formidable. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis déçu. Je suis déçu par le résultat. On aurait pu gagner. Et en deuxième mi-temps, on aurait réglé le problème. Mais malheureusement, c'est des erreurs qu'on a faites et on a payé cher. C'est ça le football.